À la mort, tu dis qu'on fait de la peinture au poulet. Qu'est-ce que vous avez une cuisse ou un poulet entier? Donnez-nous la cuisse. Donnez-nous la cuisse. Je m'appelle Trini Prada et je suis colombienne. Et puis je suis en France depuis très longtemps, environ 25 ans. Et je suis peintre avant tout. Je suis vidéaste et j'ai fait aussi des performances. Donc je suis performeuse. Bonjour. Bonjour. Où est mon cochon d'Inde et le garçon de la plage? Je ne sais pas. Haricot vert. Ah, comment t'appelles-tu? Bonjour. Bonjour. Oh. Oh, c'est? Te. De. Pun. Punto. 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 Feliz. Point. Italian, you madman. Point, point, point. Bonjour. Bonjour. Isabel Klaxons. I think it's just the idea of putting things into pop music that haven't been into pop music. We're not stood there singing about love in a straightforward way, and we're not singing about things that refer to everyday life. We stopped off by literature as the first point to put things into pop music that maybe hadn't been there for a while because things had become too real, and we wanted to escape reality by fantasy, and we borrowed from literature. C'est vrai que bon, j'ai touché à plusieurs médias différents, mais en tant qu'artiste, moi je suis un créateur d'images, enfin je me considère plus comme un peintre en fait. Là, avec mes dernières photos, j'ai l'impression de revenir à la peinture, mais par une technique qui emprunte beaucoup à la photographie, mais finalement j'ai l'impression que je recrée les images qui sont dans ma tête, enfin les choses que j'ai voulu construire ou mettre en scène, que j'imagine. En ce moment, elles ressortent dans un procédé photographique, mais pour moi, c'est une manière de peindre, de peindre avec des pixels. Et quand j'écris des romans, finalement, c'est très visuel. J'ai l'impression, une fois que c'est écrit, enfin que j'ai écrit un passage d'un roman, que j'avais vaguement imaginé, dans l'élaboration du scénario du roman, mais une fois que je l'ai écrit, j'ai l'impression d'avoir vraiment vu ces scènes se dérouler devant moi, un peu comme un réalisateur regarde les roches ou la première de son film une fois qu'il est réalisé. Donc pour moi, ce sont des... C'est difficile de dire peintre, photographe, romancier. Pour moi, ce sont des images, ce sont des histoires. En fait, je suis un metteur en scène de mes fantasmes. Qui sortent sous forme d'images et des images qui ont un rapport avec une histoire, un avant et un après. Voilà,
important d'apporter la trance africaine avec le côté conversation et discours du jazz. En fait, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on travaille sur ça. Plus, bien sûr, le côté de la funk music aussi. C'est vraiment un métissage de musique africaine, de musique funk, surtout sur mes basses à moi, sur comment je joue, et sur la musique africaine pure et le jazz que Ray amène au saxophone. Le discours du jazz moderne, du jazz de New York. C'est comme ça qu'on voit notre concept d'orchestre. Voilà. Au Pays Basque, il y a effectivement des joutes d'improvisation qui se passent autour de la poésie inventée. Le thème en général est donné par une tierce personne. Elle réunit 2, 4, 6 ou 8 berchulari, c'est comme ça qu'on les appelle. Et après avoir tiré une bouffée de cigarettes ou levé les yeux au ciel, ils choisissent leur air parmi toute l'ensemble des airs populaires qu'il y a, des chansons, etc. Et ils y vont, quoi. Ils improvisent. Alors il faut que ça rime, il faut que ce soit bien cadencé, bien balancé. En général, le sens principal est capté à la fin du dernier vers, hein, comme si on croquait une belle pomme, tout le sens apparaît tout d'un coup dans le croc de la pomme, dans le dernier son dans la chute du vers, quoi. Et le public est tenu en haleine, puisque ça rime, il devine, et dans cette capacité de tendre le fil et d'amener le public à dire parfois, pour les plus grands, le dernier mot ensemble que celui qui l'invente. Mais là, il y a une magie incomparable qui réunisse tous ceux qui parlent la langue, vu que là, les berchulari, bien sûr, ils travaillent avec la langue, quoi. Alors, je ne fais pas ça, moi. Je les admire, je m'approche évidemment quand je peux de tous ces grands artistes, mais alors moi j'improvise les sons, la musique. Et d'ailleurs, je ne peux pas imaginer, moi qui ai appris à chanter dans les chants traditionnels, qui n'aient pas été eux aussi, par leur créateur, improvisés au début, jusqu'à arriver à une forme. Et je vous avoue que chaque fois qu'on me l'a transmise, c'était un petit peu comme s'il fallait la faire renaître en moi. In the grass, all around a real kingdom. In the ground, the heart of fire and random. In the sky, mystery of summer and storm. In the wild, our days, our days, our days, our days.